Oya pesi biso bomo I koningana pe kozala. Lui qui par sa grâce. Ye oyo na ngolu na ye. Nous a sauvés. Ayeba ki na kobiki sa. Nous a arraché du feu éternel. Ayeba ki na kolongola biso na moto ya seko. Nous qui étions des fils de la rébellion. Biso tozala ki bana ya botomboki. Aujourd'hui nous a sauvés. Et ce soir il va sauver. Car il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis merci à tous les éminents hommes de Dieu. À tous les servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci au groupe Les Kunda Sisters. Et c'est ma première fois de les voir physiquement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci à l'homme de Dieu Franck. Et écho d'adoration. Ce cantique qu'il vient de chanter, c'est un cantique que j'aime beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Et à toi qui es ici ce soir, que Dieu te bénisse. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 8. Nous commençons par le 22e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Oyo azali nani azali kopesa mitindo na mai pe na mbonge? Et à qui ils obéissent? Pe yango ezali kotosa. Ils abordèrent dans le pays des Gérasiens. Bayebaki na kokoma kuna na mboka ya Nazaréen. Qui est vis-à-vis de la Galilée. Oyo ezali kotala na mboka ya Galiléa. Lorsque Jésus fut descendu à terre, tango kaka Yesu atie makolone na mabele, il vint au devant de lui un homme de la ville. Eyaki liboso na ye mutu moko na engomba. Qui était possédé de plusieurs démons. Oyo atondisamaki na bademo na ebele. Depuis longtemps. Uta batango ebele. Il ne portait point de vêtements. Azalaki kolata lisusu bilamba. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, agangi, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens. Et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme.
pasi abwaka bango tena bisika ya abim. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Wana na ngombe ezalaki na bana na ngulu bazalaki kolia. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Kasi ba démons na babondeli Yesu bakota kuna na kati na bangulu. Il est leur permis. Pe apesi bango nzela. Les démons sortirent de cet homme. Ba démons na babimi kati na mobali wana. Entrèrent dans les pourceaux. Bakoti kati na bangulu. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Pe bangulu bauti na ngomba kino ba mibwa kina ebale pe bazindi. Ce qui les faisait paître. Ba oyo bazalaki kolei sa bangulu. Voyant ce qui était arrivé. Na komona oye komaki. S'enfuir. Ba kimi. Et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ba pesi sango na engomba pe na bamboka. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Pe batu bakendaki komona nini oye komaki. Ils vinrent auprès de Jésus. Ba moni pembeni na Yesu. Et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti les démons. Ba kuti mobali oyo ba démon na babimaki kati na Yesu. Assis à ses pieds. Avandi na makolo na Yesu. Vêtu. Alati bilamba. Et dans son bon sens. Pe bo moto nyonso na isika moko. Et ils furent saisis de frayeur. Bango nyonso batondi samaki na kobanga. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé. Ba oyo ba monaki oyo elekaki. Leur racontèrent comment le démoniaque qui avait été guéri. Bapesi sangolo lolenge nini mutu na demo na bikaki. Tous les habitants du pays de Gérasénien. Batu nyonso ya mboka wana ya Génazarien. Prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Babondeli Yesu akende musika na bango. Car ils étaient saisis d'une grande crainte. Pwete basimba maki na kobanga makasi. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Amati na bwato pe azongi bisika zalaki. L'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mobali oyo ba demo na babimaki kati na ye asengi nzela epa na Yesu bati kale. Mais Jésus le renvoya en disant. Kasi Yesu azongi siye na koloba. Retourne dans ta maison. Zonga na ndaku na yo. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Pesa sango na nyonso nzambe asali iko na yo. Il s'en alla. Et publia par toute la ville. Pe apesi sango na engomba mutu. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Maso oyo Yesu asalaki po na ye. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Loba na kolo maboko. Nous pouvons nous mettre. Toko kiko vanda. Alléluia. Amen. Notre campagne d'évangélisation a pour thème Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ azali nkolo. Ce soir, Dieu est en train de nous parler de cet homme de la ville. Il n'était pas un homme du village. Un homme de la ville. Un Quinois. Un citadin. Qui pendant longtemps était sous l'emprise du diable. Et cet homme, comme la Bible nous parle d'un homme, il était un adulte. Il n'était pas un jeune. Il était un adulte. Qui était sous l'esclavage du diable. Il avait quitté la maison. Et il a commencé à rester dans les sépulcres. Mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ a fait un voyage aller et retour pour seulement cet homme, un homme qui avait tant souffert. C'est une bonne nouvelle pour toi ce soir. Même si tu étais seul sur la terre, Jésus Christ devait quitter le sein du Père et venir te chercher. Et ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est ici pour te chercher. Voilà que le Seigneur Jésus a pris la barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre bord. Ils étaient avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur leur avait donné sa parole. Voilà que le Seigneur ne leur avait pas dit que sur
tout au long de la traversée, alobi na tango nyoso biso tokokati sebale, il y aura la tempête, to mupepe kotelema, il y aura l'eau qui entrera dans la barque, ekokota na kati na bwato. Regarde les dangers que les disciples ont couru. Tala bakoko so oba yekoli bakutana na nango. Jésus-Christ, kasi Yesu Kristo avait une mission. Azalaki na itinda sembo. D'aller sauver cet homme. Yako kene kobiki sa mobali. Bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na kolo. Nous avons toujours tendance. Tozalaka tango nyoso na mapesano. À chercher des hommes qui sont élevés en dignité. Yako luka batoba tomba mina bokonzi. À chercher des hommes qui ont beaucoup d'argent. Yako luka batoba zana misolo pe. Mais cet homme là. Kasi mobali wana. Ne pouvait même pas donner un verre d'eau au Seigneur Jésus. Cet homme-là ne pouvait même pas donner du jus au Seigneur Jésus. Cet homme-là ne pouvait pas remettre une enveloppe au Seigneur Jésus. Même sa famille considérait qu'ils avaient, elle avait commis une perte. Car le diable, la Bible déclare dans Jean 10:10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Ce soir, le Seigneur Jésus va sauver quelqu'un, va te guérir, va te délivrer. Tu vas sortir ce soir de la prise du diable au nom de Jésus-Christ. Et lorsque la tempête s'est levée, c'était pour empêcher le Seigneur Jésus d'aller sauver cet homme. Laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Créateur. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et lorsque la tempête a commencé, le Seigneur s'est levé. Il a ordonné à la tempête, au vent, na mupepe, à l'eau, na mai, de cette terre, tout est soumis au Seigneur Jésus. Et lorsque il est traversé de l'autre côté, la Bible déclare, lorsqu'il a déposé seulement ses pieds par terre, le démoniaque qui était là démon a couru et tombé devant le Seigneur. Et la Bible déclare, au nom de Jésus, touche nous, fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toutes langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que les démons qui étaient dans cet homme ont commencé à parler. Il dit, qui est-il entre toi et moi? Jésus, Fils du Dieu très haut. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus fort. Et le tout puissant. Il est le plus haut. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Diable, elle est tout faible. Elle est tout petit. Le diable, elle est tout petit. Le diable, elle est tout faible. Diable, écoute la confession du diable. C'est le diable qui parle. Laisse-moi te dire cette nuit, dans la bouche d'une personne, il y a trois personnes qui parlent. Soit c'est Dieu qui parle, soit c'est le diable qui parle, soit c'est l'homme qui parle. Celui qui parlait dans cet homme, c'était le diable. Et le diable dit, le démon dit, qui a-t-il entre toi et moi? Jésus Fils du Dieu est Dieu. Le diable, où est ta force devant le Seigneur? Il est nul. Il est zéro. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est le diable
Azali ekelamu. Et Jésus. Pe Yesu. Et créateur. Azali mokeli. Il est Dieu. Azanzambe. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire. Que le diable. Diabolo. N'est pas l'adversaire de Jésus. Azali muto ateleme la kayesu. La Bible déclare. Biblia elobi. Nul n'est semblable à toi. Okote akokani kayo. Nul n'est comparable à toi. Okote azalo kola yo. Dieu est créateur. Zambe azamo kele. Jésus est créateur. Yesu azamo kele. Le diable est une créature. Diabolo azali ekelamu. Lui-même parle. Yemo ko diabolo azalo. Et dit au Seigneur. Ayebi sinkolo. Qui est-il entre toi et moi? Yo nini zakati na yo. Mais où est la force du diable? Makasi ya diabolo. Une bonne nouvelle pour toi. Tout celui qui est sous l'emprise du diable, ce soir, le Seigneur Jésus va te délivrer, va te guérir au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où on t'a mis, quel que soit dans la prison dans laquelle le diable t'a jeté, ce soir, c'est ton soir. Et tu vas confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est-il entre toi et moi? Jésus-Christ du Dieu très haut. Tout celui qui croit en Jésus. La Bible déclare. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Et leur a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Ni de la chair. Ni du sang. Ni de l'homme. Mais de la volonté de Dieu. Pour tout celui qui est enfant de Dieu, sache que le diable, non, il t'appelle fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable était par terre. Où est sa force? Où est sa puissance? Il est le tout faible. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Y compris ceux du diable. Et le diable continue à parler. Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Mais où est ta force, toi, Satan? Tout celui qui était sous l'emprise du diable. Tu es venu en ces lieux. Jésus va te délivrer. Jésus va te guérir. Ce soir, au nom de Jésus. Et ils ont demandé la permission d'aller dans les pourceaux. Et cet homme avait une légion. Une légion. C'est entre 2000 et 6000. Dans une personne, 6000 démons peuvent loger. 6000 démons n'ont pas qu'ils vendent. C'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et lorsque le diable lorsque le diable a quitté le corps de cet homme, le Seigneur Jésus n'a pas pris compte. N'a pas pris compte. A-t-elle quitté l'économie de cette ville. Mombongo ya Ngombawana. Il a détruit l'économie de cette ville. Abebi saki mombongo ya Ngombawana. Tous les pourceaux. Bangulu nyeso bakufa kimbala moko na kati na mai. Pour le salut d'une âme. Bona lobi kwa molimo moko. Il n'a pas même que tenu compte. Kolo Yesu atala kite. Le social. Atali lolenga kopika batute. Il a détruit le travail de ses bergers. Abebi saki misala batu misusu. Rien que pour sauver une âme. Bona kopiki sakaka molimo moko. Il n'a pas tenu compte des enfants de tous les dépendants de ses bergers. Il a détruit pour le salut d'une âme. Bien aimé dans le Seigneur. Pour notre salut. Cela a coûté très cher à notre Père. Et le Seigneur Jésus a payé sa vie. Pour te sauver. Laisse-moi nous dire ce soir que Dieu n'a pas regretté. N'a pas regretté. Lorsque le diable et les autres anges se sont rebellés. Lorsqu'ils ont été chassés au ciel. Dieu n'a pas regretté. Et il n'est pas allé les chercher. Pour le diable, il n'y a pas de repentance. Mais lorsque une personne
Mais dans le péché, la Bible déclare que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. C'est pourquoi l'église de Jésus-Christ doit se soucier du battement du cœur de Dieu. Quel est le battement du cœur de Dieu? Quel est le désir du cœur de Dieu? Quel est le besoin de Dieu? C'est bien bon de présenter nos besoins à Dieu. Plutôt aussi chercher à connaître ce qui est le besoin de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus parle que je ne perds aucun de ceux que tu m'as donné. L'église Jésus-Christ doit se préoccuper des brebis du Seigneur. Car le Seigneur Jésus, dans Jean 17, il dit au Père, Père, je te rends grâce, car je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sinon celui, le fils de la perdition. L'église de Jésus doit se soucier des âmes perdues. L'église de Jésus, mes soeurs Kunda Sister, bien-aimés Franck Moulaja, tout ce que nous devons faire, c'est chercher à dépeupler le camp du diable et peupler le royaume des cieux. C'est ce qui doit être notre motivation. Car le Seigneur Jésus dit, il y a la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Regarde pour le salut de ce démoniaque. Le Seigneur Jésus a détruit le cochon. Il ne s'est même pas soucié de combien d'argent perdu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as du prix aux yeux de Jésus. Tu as du prix aux yeux de Jésus. Et cet homme, tout le monde le connaissait. Il marchait nu. Il était nu. Il se blessait. Mais regarde l'amour de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux chapitre 2 verset 16. Ce n'est pas aux anges que Jésus-Christ vient en aide. Mais c'est à la descendance d'Abraham. Le Seigneur Jésus, lorsque les anges se sont rebellés à leur tête le diable, il n'a pas regretté. Nulle part dans la Bible on dit que Jésus est allé chercher le diable. Mais lorsque l'homme créé à son image, les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Et un ange n'est pas jamais appelé Dieu Père. Et Dieu n'est pas jamais appelé un ange Fils. Vous savez, les anges eux-mêmes, ils sont stupéfaits de voir l'amour de Dieu pour l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, lorsqu'un pécheur meurt dans le péché, ça lui fait mal. C'est dommage que nous, un pécheur meurt, les gens acclament, les gens sont contents, et tu es dans l'église de Jésus. Or le Seigneur Jésus a versé son sang pour l'homme.
et non pour les anges. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus a fait un voyage aller-retour pour aller sauver une seule âme. C'est pourquoi je dis toujours, tu ne sais pas à côté de qui tu te mets. Aujourd'hui, les gens peuvent marcher sur toi. Mais je dis comme Job, je sais que mon rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne permettra jamais que toi, tu ailles au feu éternel. Le feu éternel n'a pas été créé pour l'homme. Le feu éternel a été créé pour le diable et ses anges. Mais c'est lorsque tu refuses de donner ta vie à Jésus. La Bible déclare, il n'y a pas de salut à un autre nom. Si ce n'est le nom Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, le nom Jésus est le seul nom qui nous a été donné. Le nom Jésus est au-dessus du tout nom. Le nom Jésus est au-dessus du nom Yahweh, est au-dessus du nom Jéhovah. Car la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus touche nous fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas peur du nom Yahweh. Le diable n'a pas peur du nom Jéhovah. Le diable a peur du nom Jésus. Du nom Jésus. Le nom Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le nom Jésus. Le nom du Père donné au Fils. Le nom Jésus. C'est pourquoi pour être Jésus, tu dois sortir du sein du Père. Pour être Jésus, tu dois naître de la Vierge Marie. Pas d'une autre femme. Pour être Jésus, tu ne dois pas naître à Kinshasa. Tu dois naître à Nazareth, à Bethléem. Tu dois naître à Bethléem. Pour être Jésus, tu dois voir. Pour Père. Natata. Joseph. Joseph. Pour mère. Pour la maman. Marie. Maria. Pour être Jésus. Tu dois voir. Pour cousin. Pour Nandeko. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Pour être Jésus. Tu dois voir 12 disciples. Parmi lesquels. Il y a Pierre. Il y a Jean. Il y a Matthieu. Il y a aussi Judas Iscariote. Qui doit te délivrer. Qui doit te délivrer. Pour être Jésus. Il faut que. Hérode soit roi. Azala Nkumu. Et Pilate. Pe Pilate soit gouverneur. Azala Mokamine. Pour être Jésus, Yesu, tu dois mourir sur la croix. Esengeli kufa na ikulusu. Entre deux malfaiteurs. Kati na ba bobimi bale. Et que tu sauves un. Pe obiki sa moko. Et que tu lui dises. Aujourd'hui même. Tu seras avec moi. Dans le paradis. Pour être Jésus. Tu dois marcher sur les eaux. Pour être Jésus, tu ne dois pas amener dans à la campagne d'évangélisation des faux aveugles. Si tu es venu avec cette aventure ici, tu vois. Et tu dis je suis aveugle. Je le déclare, tu resteras aveugle parce que tu aimes et tu veux être aveugle. Tu viens ici. Jésus-Christ ne faisait pas de faux miracles. Il n'envoyait pas ses disciples pour chercher des gens dans des campagnes pour dire que j'étais sourd. Maintenant j'entends. Si tu fais cette bêtise ici, tu vas rester sourd. Au nom de Jésus.
Nous devons apprendre à craindre Dieu. Esengeli toyekola kobanga nzambe. Il faut que l'église de Jésus craigne Dieu. Esengeli tonga ya Yesu ebanga nzambe. Cet homme-là, Mobali wana, tout le monde le connaissait. Il marchait nu. Nous refusons de faux miracles dans l'église du Congo. Nous refusons des miracles fabriqués. C'est pourquoi je proclame la délivrance de ma nation. Je proclame la délivrance de l'église du Congo. Au nom de Jésus-Christ. Le seul nom Jésus nous suffit. Le seul nom Jésus suffit pour l'église. Pour changer tout dans ce pays. Pour changer tout dans des familles. Pour changer tout dans des vies des gens. Seul le nom Jésus suffit. Alléluia. Amen. Et cet homme, le Seigneur a dit, a ordonné, car la parole de Dieu est un commandement. Il a ordonné à l'esprit impur, sort. Il n'y a pas de négociation avec le diable. Ce sont deux royaumes, qui se combattent. Le diable, a été au ciel. Azaki na lola. Il connaît ce qu'est le ciel. Loleza nini. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, ne marchez jamais avec des gens qui ont échoué. Quelqu'un qui a échoué dans le ministère, ne marche pas avec lui. Quelqu'un qui a échoué dans le mariage, ne marche pas avec lui. Quelqu'un qui a échoué dans les études, ne marche pas avec lui. La Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Jésus. Il a sauvé cet homme. Cet homme, lorsqu'il était délivré, la Bible déclare, il était assis au pied de Jésus. C'est pourquoi ce soir, toi qui donnes ta vie à Jésus, ce soir, tu t'asseras au pied de Jésus, en train de l'adorer. Tu vas adorer le roi des rois. Tu vas adorer le Seigneur des Seigneurs. Tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Car il est Dieu. Il ne change pas. Et cet homme, qui marchait nu, Jésus l'a vêtu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La gloire qui était partie dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans notre nation, le Seigneur Jésus est capable ce soir de remettre cette gloire qui était partie au nom de Jésus. Cet homme qui n'avait plus de bon sens, il était devenu Dieu, le Seigneur. Lorsqu'il délivre quelqu'un, il le délivre. Lorsque le Seigneur sauve quelqu'un, il sauve l'esprit, âme et corps. Et ce soir, prends la décision d'abandonner le diable. Le diable ne t'aime pas. Le seul qui t'aime, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a formé des projets de paix et non de malheur pour te donner l'avenir et l'espérance. Cet homme-là n'était plus considéré dans la société. Mais lorsque le Seigneur Jésus l'a rencontré, la vie de cet homme a été changé, a été transformé. Oh, peuple, enfant de Dieu, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens ne te considèrent pas, il te connaît. Il connaît là où tu vis. Il connaît ton nom. Il est le maître de temps et de circonstances. Il fait toujours de bonnes choses en son temps. Moi, je suis né dans une famille musulmane, de père et de mère. Mais par la grâce du Seigneur, il m'a sauvé à 32 ans. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de l'évangile. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus.
N'attends pas demain. Tu ne sais pas ce que ce que peut enfanter un jour. Prends la décision ce soir de quitter le camp du diable. Il n'y a aucune religion qui sauve. Le salut c'est en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Si ce soir tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, tous tes péchés seront pardonnés. Même si tu avais tué combien de gens, quel que soit le péché que tu as commis, tous tes péchés pardonnés, tu seras transporté ce soir du royaume des ténèbres au royaume de son fils, au royaume de lumière. Et ce soir ton nom sera inscrit dans le livre de la vie. C'est vrai ton nom, c'est vrai ton nom se trouve à l'état civil congolais. Est-ce que ton nom figure sur le dans le livre de vie? Ce soir, ne durcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Cette campagne, Dieu l'a organisé pour toi. Nous ne voyons pas l'argent que nous avons dépensé. Qui coûte très cher à Dieu. Et le Seigneur Jésus dit que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Mieux vaut mon frère, ma soeur, de rester pauvre dans ce monde mais d'entrer au ciel, que plutôt d'être riche dans ce monde, être élevé en dignité dans ce monde. Et à la fin, au feu éternel. Même si tu devenais le roi du monde, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Cher Seigneur Jésus, Jésus t'aime. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Donne ta vie à Jésus. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre mais pour sauver. C'est pourquoi il est allé chercher cet homme-là. Comme ce soir, il vient te chercher. Il t'appelle. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. La vie c'est Jésus. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que tu n'as pas la vie. Car la vie a un nom. Ce nom c'est Jésus. Est-ce que ce soir, est-ce que ce soir tu prennes la meilleure décision de ta vie, c'est de donner ta vie à Jésus? Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Il t'aime d'un amour de Dieu, un amour sans intérêt. Comme il est allé chercher cet homme, qu'est-ce que cet homme pouvait lui donner? Mais le Seigneur voyait dans cet homme l'évangéliste des 10 villes. C'est pourquoi le Seigneur est venu te chercher, pour que tu le témoignes. C'est toi le témoin de Jésus. Tu vas amener l'évangile dans toute l'étendue de la République, en dehors du pays. Oh, Jésus te connaît. Il connaît là où tu vis. Il connaît tes souffrances. Mais ce qu'il veut, donne-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus. Même si tu es dans l'église, tu peux être dans l'église un pied dedans, un pied dehors. Nous avons beaucoup de gens. Il est avec Jésus, il est avec le diable. Il tient deux trains. Le train Jésus qui va de ce côté-ci, et le train diable qui va de ce côté-ci. Mais lorsque les deux trains vont démarrer, tu seras déchiqueté. C'est pourquoi
Lorsque tu es comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, abandonne la vie du péché, abandonne la prostitution, abandonne l'occultisme, abandonne la sorcellerie. Le diable est petit. Qu'est-ce que tu vas chercher chez le diable? Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'occultisme? Qu'est-ce que tu vas chercher dans la magie? Qu'est-ce que tu vas chercher dans la sorcellerie? Au moment où le diable devant le Seigneur il tremble et dit: qui a-t-il entre toi et moi? Dieu est venu nous tourmenter avant le temps. Donc même le diable est conscient de son sort. C'est toi qui lui donnes l'occasion de chuter. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus ce soir, Jésus-Christ est ton Seigneur, ton roi, ton Dieu, et tu diras comme Paul: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque le diable viendra, ce n'est plus toi, ce ne sera plus ton affaire, c'est Jésus-Christ maintenant. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime, Jésus t'appelle. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ce soir, c'est ton soir. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu a permis à ce que nous organisions cette campagne? C'est pour toi. C'est pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas l'état dans lequel le diable est mis. Arrête d'écouter le diable. Le diable est menteur et le père du mensonge. Tout ce qu'il te dit, c'est le mensonge. Sa langue, c'est le mensonge. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Il t'aime. Il t'aime. C'est pourquoi ce soir il est ici. Parce qu'il t'aime. Et il veut te délivrer de l'emprise du diable. N'aie pas peur de ce que le diable t'a dit. Oh, si tu abandonnes mes fétiches, l'occultisme, tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le diable est tout faible. Il est tout petit. Il est une créature. Mais Jésus est créateur. Jésus est Dieu. Oh Seigneur Jésus, abandonne ces choses. Tu as des fétiches, même je vais les brûler. Tu as des livres sataniques, même je vais les brûler. Au nom de Jésus. Et le diable n'aura aucun pouvoir sur toi. Les démons n'auront aucun pouvoir sur toi. Les sorciers n'auront aucun pouvoir sur toi. Car tu deviens la propriété privée de Jésus. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas bientôt témoigner l'amour de Dieu. Tu vas témoigner l'amour de Dieu. Jésus t'aime. Arrête de te condamner. Répands-toi. Répands-toi. Abandonne la vie du péché. Viens à Jésus. Que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Tu es ici. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. N'aie pas honte. Moi j'étais comme toi. Un jour, j'ai entendu la voix de mon Créateur. J'ai accepté de donner ma vie au Seigneur Jésus. Qui ce soir veut saisir cet amour de Dieu pour lui? Et il veut donner sa vie à Jésus. Je prends la décision ce soir de donner ma vie à Jésus. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Tu décides ce soir
Acclamons le Seigneur, avance, avance, avance. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le roi. Bien-aimés, il y a la chose, lorsque un seul pécheur se répand, acclamons le Seigneur. Qui encore veut donner sa vie à Jésus? Lève-toi, n'aie pas honte. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Qui encore veut donner sa vie au Seigneur? Lève-toi. N'écoute pas le diable. Viens au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Qui encore veut donner sa vie à Jésus? Jésus t'aime. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y a la joie au ciel maintenant. Qui encore? Nani mususu? Qui encore veut donner sa vie à Jésus? Oya ningia pesa bomo nepa Jésus. Yake pana Jésus. Yake pana Jésus. Jésus t'appelle. Jésus azali ko benga yo. Jésus t'appelle. Jésus azali ko benga yo. Il y a une place pour toi. Ezana esika bomo le Seigneur. Tobete nkolo Jésus. Acclamons le Seigneur. Tobete nkolo Jésus. Qui encore veut donner sa vie à Jésus? Nani mususu ningia pesa bomo nepa Jésus. Pendant que notre sœur s'avance, nous acclamons Jésus. Nantango ndeko na biso azali ko benga. Acclamons Jésus. Tobete na Jésus maboko. Acclamons Jésus. Tobete na Jésus maboko. Pendant que le groupe d'adoration. Qui encore veut donner sa vie à Jésus? Le Seigneur t'appelle. Viens au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Qui encore? Veut donner sa vie à Jésus? Pendant que l'église Yesu Nijibu monte pour chanter. Natango oyetonga ya Yesu Nijibu bazali komata. Yes! Acclamons le Seigneur! Acclamons le Seigneur! Acclamons le Seigneur! Il est le roi des rois! Il est le Seigneur des seigneurs! Jésus-Christ est Seigneur! Jésus-Christ est Seigneur! Jésus-Christ est Seigneur! Au nom de Jésus! Amen! Amen! Nous allons prier avec vous! Kangami sonayo bisiko zwami! Tokangimi su! Bande konabiso boko zelana numa muke! Tolingito bondela. Kangami so. Tokwangina numisu. Zongela malobo na zoloba. Tombola maboko no mibale likolo. Loba tata nzambe. Tata nzambe. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kumisio. Na kumisio. Na tondio. Na tondio. Poza tata malam. Poza tata lelo. Malam. Lelo. Na yoki. Na yoki. Mongongo na yo. Mongongo na yo. Yoke langa mawa. Yoke langa mawa. Limbi sanga. Limbi sanga. Mabunga na nga nyoso. Mabunga na nga nyoso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai. Ngai. Na sakoli. Na sakoli. Na monoko na nga. Na monoko na nga. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Pena ndimi. Pena ndimi. Na motema na nga mobimba. Na motema na nga mobimba. Ete nzambe tata. Ete nzambe tata. Asekwisa Yesu. Asekwisa Yesu. Kati na bakufu. Kati na bakufu. Ngana biki. Ngana biki. Ngana biki. Ngana biki. Ngana biki. Ngana biki. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je détruis toutes les puissances des ténèbres. Et je donne à tout esprit impie. Qui trouve ta vie. Allez, quitte ce corps. Allez dans les lieux amis. Et ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobete nkolo Yesu maboko. Boke na ngambo oyo. Bon, écoute, on a bandé quoi. Tu es ici, tu es malade. Oza a, oza na bokono. Tu es troublé par les démons. Oza liko tungi samanaba démona. Jésus guérit. Yesu azobi. Jésus délivre. Yesu azokambola. Tout celui qui est malade. Oyo nyoso azana bokono. Avance, je vais prier pour toi. Yaka na kobonde la pona yo. Tous les malades. Ba o nyoso bazana bokono. Viens. Oza na bokono. Hora babas. Yere kuria babas. Tous les malades. Oyo nyoso azana bokona kokiko pusa na babonde la pona ye. Même si la médecine t'a condamné. Ataso ki ba minganga bakatela ki otumbu. Je connais quelqu'un qui guérit. Na yebi moko oya biki saka. C'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Et ce soir. Pena poko alelo. Il est ici pour te guérir. Aza awa pona ko biki sayo. Quel que soit le nom de ta maladie. Eza la maladie eza na kombo nini. La Bible déclare. Bibili elobi. Par ses meurtrissures. Na pipi na ye. Nous sommes guéris. Ce soir, c'est ton soir de guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout celui qui est malade. Viens, je vais prier pour toi. Tous les malades. Alléluia. Lève tes deux mains. Tombola maboko no mibale. Commence à demander pardon à Dieu, Père Célestial.
Ferme les yeux. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré. J'ordonne maintenant à tout esprit impur. Et quitte ce corps. Toi démon. Quitte ce corps. Par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Robust.